about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. On a ouvert la caverne d'Ali Baba. Hein, Pat? Eh oui. On l'avait pas encore ouverte celle-là. Eh non. Matériel de plongée. Yes, ça y est. On s'y met. On prend le temps. Et aller plonger. On ouvre cette cale avec tout notre matériel de plongée. Il pourra aller voir les poissons sous l'eau et les raies et les tortues. Qui se cache sous l'herbe des fonds marins. Et toi, tu peux plonger? Moi, je peux plonger. C'est à partir de 8 ans. Ah, ouais, minimum. Hein. Parce que les poumons sont un peu petits pour l'instant. Ouais, ils sont immatures. Moi, je peux plonger avec le masque. Mais ce qu'on va faire, on va quand même mettre le détendeur, donc l'appareil respiratoire en bouche, pour s'entraîner. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal de préparation. On a nos bouteilles et puis on a la bouteille d'oxygène aussi au cas où on a un problème de décompression. Donc on a tout le matériel de sécurité avec nous. L'accoutrement et le bloc qui semblerait bien, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans la plongée? C'est toutes les petites choses qu'on peut voir dans les fonds sous-marins. Les petites midi-branches, les petits coraux, toutes les couleurs, les petits poissons, toutes les petites choses qu'on peut voir. Il y a plein de belles choses à voir. Tu trouves qu'on voit pas ça sur Terre? Ben non, quand on se balade en forêt, on voit des oiseaux, ok, on voit de temps en temps un petit écureuil, un petit truc, mais on voit pas grand chose. Alors que là, dans un tout petit espace, sur 1 mètre carré, on voit des centaines d'espèces différentes, que ce soit des coraux, des poissons, des nudibranches, etc. Et ça fait longtemps que tu plonges? Ça fait une vingtaine d'années, je pense, moins 20 ans, ouais. Et t'as des diplômes pour ça? Parce que là, tu plonges tout seul, ouais, avec moi. Ouais, en autonomie, ouais, on a... On a notre niveau, niveau 4 dans les deux disciplines, KMAS et PADI. Et on est même niveau en KMAS, on est niveau pour emmener, pour faire des baptêmes en fait. Donc on est en complète autonomie. Ah, c'est top ça. Et ouais, c'est super. On plonge donc là directement, comme on dit, au cul du bateau. Donc en fait, après la voile, c'est ta deuxième passion? Bah oui, c'est la mer en général. Donc que ce soit sur l'eau ou sous l'eau. Bon bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Thank you.
On a vu des poissons clowns. Non, on n'a pas vu de poissons clowns. On a vu des poissons cochers. On a vu une raie qui dormait. Elle s'est enfouie dans le sable et elle dormait fort. Hein, parce qu'on l'a bien filmée. Et elle a rien dit. Par contre, on n'a pas vu la tortue cette fois. Il y avait des belles choses à voir. J'ai vu aussi un serpent. Un serpent de mer. Il y a beaucoup, beaucoup de vases. Avec des fois des petites araignées dedans, ou des petites étoiles de mer. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il y a plein de bancs de petits poissons, il y a beaucoup beaucoup de petits poissons. Donc ça fait très plaisir à voir, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on ne voyait pas beaucoup de poissons. Et en snorkeling, les fonds ne sont pas pareils, donc on adore la plongée pour ça, Maëlle. Et ouais. Ouais, on pourra refaire peut-être ou demain. Parce que les enfants, on les a mis un petit peu à la plongée. Alors, ils sont pas encore, leurs poumons ne sont pas encore matures à 100%. Du coup, on les fait juste respirer à la surface avec le détendeur. C'est ça, l'appareil respiratoire. Et voilà, ça fait une première approche. Et puis, ils adorent quand on fait des petits tours dans l'eau avec eux. Et c'est un bien-être de retrouver un peu sa passion. Ça fait un moment qu'on n'avait pas plongé. Donc c'est vraiment top. En plus, en partant du bateau, là, c'est ce qu'on adore. Et voilà, c'est un ressourcement en fait pour chacun de nous adultes. Et pour notre couple, ça fait notre moment à nous, même si on ne se parle pas, mais on partage visuellement des petites choses. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et de se retrouver un petit peu tranquille. Sans bruit et à la découverte de la nature. Initier nos enfants à la plongée, c'est leur offrir l'accès à un autre monde, leur ouvrir le champ des possibles. Le monde sous-marin est une possibilité d'apaisement, de ressourcement et de bien-être pour la personne autiste. Dans un autre monde, les bruits sont autres, plus doux, plus relaxants, moins agressifs. Le corps se laisse aller dans cet élément liquide. Tout y est plus fluide, plus léger, plus respectueux. Des détails à n'en plus finir, qui nourrit notre perception, notre affinité aux détails et notre amour de la nature. Ce monde sous-marin est fascinant. La beauté est telle que mes larmes se noient dans cette immensité d'eau.